C'est la map aussi. Bah moi en plus j'avais pas vu. Est-ce que vous savez ce qu'ils sont les biocarburants? Non, je sais pas. Mais je suis un peu gourmand et racontez-moi tout. Ce sont des femmes sandwich, c'est la pause déjeuner. Et donc ces femmes sandwich, on échange un petit peu de pop-corn bio, en maïs bio, sans OGM, etc. Ben, elles peuvent échanger avec vous autour de, notamment du thème des biocarburants. Est-ce que pour vous les biocarburants c'est bio? Oui, je crois que tout le monde le sait que c'est pas bio. Ouais, ah, est-ce que tout le monde le sait? Je sais pas, Maria, t'as essayé Non, pas tout le monde le sait, parce que justement, comme il s'appelle biocarburant, on peut bien penser que c'est bio. On est en train d'accaparer des terres de petits paysans qui se retrouvent ensuite avec leur famille sans travail et sans lopin de terre pour cultiver un peu à manger. Et donc ça ne fait qu'aggraver en fait la pauvreté concrètement. Enfin, c'est un des arguments qui est mis en avant, notamment à travers le festival alimentaire contre les agrocarburants, mais il y a aussi le fait que ça fait augmenter le prix justement des produits alimentaires de base, des céréales. Donc il faut une production durable, des aliments et de l'énergie. Si vous voulez mettre un peu dans votre corps. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Combien de litres d'eau dans un steak? Voilà, tout à fait. Moi je dirais comme ça, je pense, allez, 15 000 litres, non, c'est trop. Ouais, non, c'est pas mal pour le coup, là, t'as tenté un truc qui est assez proche de la réalité. Alors, la France a toujours été connue pour être un pays avec beaucoup d'élevage, bovin, et les ressources en eau abondent dans le pays, à part peut-être les stress hydriques dans certaines zones. En été en canicule, mais moi je pense pas que ça pose problème. En gros, le message c'est de devenir végétarien, c'est ça? Non, pas du tout. Moi, vraiment, on n'est pas là pour plaider pour être végétarien ou pas, mais plutôt amener à s'interroger et effectivement se dire que manger un peu de moins de viande, quelque part, ça peut être une. Ça, je suis d'accord. Est-ce que je peux avoir une brochure de votre association? Alors, nous, on est Starting Block, donc une association d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, commence les festivals alimentaires. D'accord. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de ça. Non, jamais. Tout est derrière. Ouais, là. Ok. Vous voyez tout. Ok, voilà. Thank you very much. Merci. Un plaisir. À bientôt, bonne journée. Hein.